Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour votre 20h bilan. Good evening, Innocent Azé. Bonsoir, Christine Babanda. Good evening to you as well, Jeff. Your host stands for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast connecting us television and major stories. Luc Messi-Antagana, the Yaoundé city mayor, has accused the population of being at the origin of road degradation within the city and also poor waste disposal. He urged the population to be responsible in using the roads and also as a dumped waste. He was speaking while on the field to evaluate ongoing road maintenance works and inaugurate realized road projects. In the west region of the country, two candidates sitting in for the baccalaureate examination have given birth in the course of the examination. This condition, however, did not stop them from continuing with the examination. Those are headlines. À la une de votre journal ce soir, la diaspora camerounaise toujours en flamme après l'exigence d'une carte de séjour pour s'enrôler sur les listes électorales après Paris. C'est au tour des Camerounais résidant en Belgique de prendre d'assaut l'ambassade du Cameroun à Bruxelles pour exprimer leur ras-le-bol. Leurs récriminations sont donc à suivre dans quelques instants. Et puis à l'étranger, au Proche-Orient, le président américain Joe Biden propose un projet de trêve pour un cessez-le-feu de 6 semaines dans le conflit israélo-palestinien. Les détails de cette actualité sont à suivre dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Soyez les bienvenus. Dans un contexte marqué par l'accalmie dans le conflit MINCEP-FECAFOOT, partons directement dans l'arrondissement de Douala 5e où les populations étouffent sous le poids des tas d'immondices qui jonchent les rues du quartier Bonamoussadi. Leur réaction face à ces montagnes d'ordures avec Isabelle Carole Zoupette. Le lieu dit Camp Charbon au marché de Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, transformé en dépotoir. Deux géants tas d'immondices se sont formés, obstruant la voie publique, conséquence de l'absence de passage de l'entreprise en charge de la collecte d'ordures. Usagers et commerçants, impuissants face à la fragilité de leur santé. Vraiment, ces ordures-là, ça nous donne la maladie. Quand il pleut, c'est grave. Ça nous est vraiment oublié. Au quotidien, ces déchets provenant des marchés et des ménages ne cessent de prendre du volume. Activité paralysée, accès impraticable, odeur nauséabonde. Situation véritablement infernale. La situation est devenue invivable. Depuis qu'ils ont déporté le bac du goutron pour ici, ils ont quand même peu fait 2 mois avant de venir ramasser la poubelle. La population a fui la route à cause de la poubelle parce que c'est invivable. Du moment où Isaac s'engage à venir ramasser, il n'y a pas moyen de passer ici. Nous emballons seulement pour entrer. Parce que quand ils laissent pour longtemps comme ça, ils viennent, ils gardent beaucoup de camions, ils commencent à ramasser, les odeurs peuvent nous tuer. Le vœu de ces populations est clairement exprimé. Isaac en doit penser à nous. En complicité avec la mairie, il faut qu'ils doivent aussi nous penser à arranger la route. Tout comme le marché de Bonamoussadi, plusieurs espaces marchands baignent dans l'insalubrité. Les actions menées par les autorités pour remédier à la situation sont jusqu'ici infructueuses, malgré les plaintes qu'ils se multiplient. Et si on vous amenait à présent palper du doigt les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de Mamban dans l'extrême nord du pays, dans cette localité du Diamaré, la vie est sous blocus des braquages à main armée, des vols de bétail, entre autres. Les défis des 4 autorités traditionnelles nouvellement installées avec Amadou Daïrou, Claudia Issia et Josiane Gok. Dans le canton de Mamban, dans l'arrondissement de Méry du département du Diamaré, les actes de criminalité tels que le vol de bétail, les cambriolages et les braquages armés se sont accrus récemment, suscitant des inquiétudes parmi les habitants qui se sentent désormais désemparés. Les autorités administratives pointent du doigt le manque de collaboration de la population et de certains chefs traditionnels, ce qui entrave la traque des criminels qui causent parfois la mort. Il est inadmissible que les malfrats entrent dans une concession alors que nous avons un poste avancé tout proche
ils viennent opérer et ils réussissent leur coup. Sans que la population ne nous alerte. Ça nous a beaucoup sidérés. Lors de la récente cérémonie de désignation des chefs traditionnels de troisième degré dans les quatre localités du canton de Mamban, notamment Togba Molvon, Zebel Giziga, Houloum Gizga et Mogazam Lamordé, le sous-préfet de mairie, Yaya Ali, a exhorté les habitants de coopérer avec les forces de défense et de sécurité. Nous avons demandé aux chefs désignés d'être prompts à rendre compte. Quand il y a un incident au village, ils doivent rapidement saisir les autorités traditionnelles, administratives et les forces de maintien de l'ordre. Ces nouveaux chefs de troisième degré s'engagent à mettre en œuvre les recommandations des autorités administratives. Il faut que la population soit dynamique pour que je puisse, pour que ça puisse me faciliter à faire le travail normalement. Parce que seul, tu ne peux rien faire. Sa Majesté Sanda Dinda souligne l'importance pour chaque chef de quartier de devenir un véritable relais entre ses administrés et l'administration afin de réduire l'insécurité et de favoriser le développement local. Loin du Diamaré, comment les femmes de la police peuvent-elles améliorer leur représentativité sur divers théâtres d'opérations? Eh bien, elles viennent de recevoir une formation qui leur permettra de mieux soumettre leur candidature dans le cadre des différentes missions onusiennes. D'autres précisions avec Marcelin Gansop et Rodrigue Ngassi. On les voit se déployer sur divers théâtres d'opérations de maintien de la paix. Mais cette représentativité des femmes n'est pas encore à la hauteur des attentes. Hommes et femmes comptent pour 50% de la population. Nous savons que dans plusieurs des États, malheureusement, où l'ONU est déployée, femmes et enfants sont des populations vulnérables. Les opérations de paix de l'ONU comptent pour un tiers pour cent de l'espace francophone. Et malheureusement, il n'y a qu'un quart des représentants qui sont des femmes. Cette formation sur les opportunités professionnelles dans les composantes police des opérations de paix tombe donc à pic. Donner plus de compréhension, comment postuler, comment remplir les CV pour être plus efficace développer plus de compétences en matière de recrutement. Comment augmenter la contribution des pays francophones ici présents dans ce séminaire. Mieux outillés sur les modes de sélection et de recrutement des candidats, il est évident que les cadres féminins pourraient opérer une percée remarquable au sein des composantes police des missions des Nations Unies. Le présent séminaire pourrait être un déterminant praxiologique pour que les pays participants s'approprient davantage les maintiens de la paix, ce d'autant plus que la plupart des théâtres d'intervention se retrouvent dans l'ère francophone et particulièrement africaine. L'organisation de cette formation en terre camerounaise traduit le bon état de santé de la coopération qui existe entre l'œil force et le réseau international francophone de formation policière. C'est une belle collaboration que nous avons avec l'œil force et Francopol pour augmenter le nombre de candidats chez les femmes au niveau des opérations de paix. Le choix de l'œil force pour habiliter cet important séminaire est aussi une reconnaissance des performances de cette jeune institution qui s'est pertinemment imposée de l'amont par son modèle pédagogique d'interopérabilité et de transversalité dans l'univers du soutien à la paix. Voilà qui consacre davantage la montée en puissance de l'École internationale des forces de sécurité qui, de par son dynamisme, a su trouver sa place dans l'écosystème du maintien de la paix. L'actualité, c'est aussi la modification du code électoral sollicitée par les organisations de la société civile dans la ville de Yaoundé. Une révision qui pourrait permettre aux femmes de présenter des candidatures indépendantes lors des municipales et qui vise également à annuler la caution d'1 million de francs CFA exigée aux législatives. On regarde le reportage de Ben Christy Moudio et Lisée Porpa. À la veille des prochains scrutins électoraux, les femmes demandent la modification de certaines dispositions du code électoral relatives aux élections législatives et municipales. Nous avons souhaité que les listes indépendantes des femmes soient validées pour que lors des prochaines élections municipales, nous puissions avoir des femmes à la base qui sortent. Nous pensons qu'il est temps d'enlever, surtout pour les élections législatives, la caution d'1 million. C'est beaucoup pour nous.
Ces points ne sont toutefois pas les seuls obstacles à l'engagement politique des femmes au Cameroun. À la tête de formation politique depuis novembre 2023, Essonobe Folon Martin et Salomé Tchapmi déplorent des pressions de diverses natures. Nous avons ces hommes-là qui sont habitués à la ruse, à l'intimidation et toute autre chose pour nous amener à nous décourager. Peu de femmes acceptent faire la politique parce que nous avons des menaces de tous côtés. De son côté, à 29 ans, Suzanne Sribaï est l'une des plus jeunes conseillers régionaux du Cameroun. Son parcours en politique est jonché d'a priori. D'abord le regard, les préjugés du fait que je sois une femme, particulièrement que je sois une jeune dame. Les gens pensaient que j'étais une parvenue. Les gens pensaient que je ne savais pas ce que je voulais en fait, que j'étais juste peut-être cooptée. Ces femmes font partie des leaders qui ont pris part au bootcamp organisé par des organisations de la société civile, le ministère de la promotion de la femme et de la famille et les CAM et ONU Femmes. Le but de ces travaux, former les femmes en matière de gouvernance, de politique et de leadership. Une initiative importante puisqu'au Cameroun, les femmes à la tête d'exécutifs municipaux sont évaluées à 8% contre 33,5% dans les deux chambres du Parlement. Et on vous l'annonçait au début de ce journal, au coup de colère de la diaspora camerounaise mobilisée devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles pour s'inscrire en faux contre la carte de séjour exigée pour s'enrôler sur les listes électorales. C'était sous le regard de notre correspondant en Belgique, Landry Tchatchon. On s'excuse pour la qualité de cet élément. Nous reviendrons certainement sur cette actualité dans nos différentes éditions. Partons directement à l'étranger où notre reporter Nadine Yambou épingle pour nous quelques nouvelles au Burkina Faso et au Proche-Orient où le président Joe Biden propose un projet de trêve pour un cessez-le-feu de 6 semaines dans le conflit israélo-palestinien. Les détails dans ce reportage. Il est temps d'entamer cette nouvelle étape. Que les otages rentrent chez eux. Il est temps que cette guerre se termine. C'est le président américain Joe Biden qui fait l'annonce de la proposition d'Israël après 8 mois de guerre menée à Gaza en riposte à la sanglante attaque du 7 octobre 2023. Ce nouvel accord global comprend 3 étapes. Le retrait de toutes les forces israéliennes du territoire palestinien pour 6 semaines. Un cessez-le-feu complet et la libération de tous les otages. Enfin, la restitution des dépouilles des otages israéliens décédés. Ainsi qu'un plan de reconstruction majeur pour Gaza avec une forte augmentation de l'aide humanitaire. Selon Joe Biden, ce cessez-le-feu pourrait devenir permanent si le Hamas respecte ses engagements. En réaction, le mouvement islamiste palestinien, le Hamas, a jugé positive la nouvelle proposition. Seulement, Benjamin Netanyahu a averti que les conditions pour arriver à un cessez-le-feu permanent n'avaient pas changé et comprenait en plus de la libération des otages, la destruction du Hamas. Toutefois, cette nouvelle tournure dans ce conflit est perçue comme une lueur d'espoir au sein de la communauté internationale. Aux États-Unis, 2 jours après l'annonce de sa culpabilité dans son procès au pénal dans l'affaire Stormy Daniels, Donald Trump lève 50 millions de dollars de dons pour sa campagne. Ce chiffre représente presque le double de la meilleure journée de collecte de fonds pour la campagne. Et 30% de ces dons ont été effectués par de nouveaux donateurs. Et sur le continent africain au Burkina Faso, la hausse des meurtres de civils dans le pays inquiète l'ONU. L'organisation a d'ailleurs exigé une enquête indépendante et transparente sur ces crimes, de même que des allégations de violation des droits humains. L'ONU pense que ces meurtres aurait été commis par l'armée régulière, même si elle reconnaît la poussée des groupes djihadistes. Le Burkina Faso est en proie à des violences djihadistes qui ont déjà fait des milliers de morts depuis près de 10 ans. Place à présent à l'actualité en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Merci Christine Babanda. Good evening once more to you. The viewers stands for generosity in the second segment of this newscast.
A student writing the baccalaureate examination in a center that is at Government Bilingual High School in Zhengdam, that's in Bafusamban subdivision of the West Region, has given birth. In the course of a paper she's studying for civic and moral education, the lady was transported to the infirmary of the school where it was discovered she was in the process of giving birth. She was delivered of a baby boy in safe conditions. Since it was the last paper that fateful Thursday, she went home and only returned on Friday to continue the exam. In similar notes, another candidate in Fumbot's known division experienced labor pains before the start of the day's papers. She was evacuated to a health facility where she gave birth before returning to continue the exam, though 30 minutes late for the second paper. Now, in the central region of Cameroon, the city mayor of Yaoundé, Luc Messi Atangana, has pointed accusing finger as the population to be responsible for degradation of roads within the city, which often result to traffic jam accidents and frequent breakdowns of vehicles and motorcycles. While on the field to evaluate ongoing road maintenance works and to inaugurate realized road projects, he asked the population to be more responsible as they use the roads. Luc Messi Atangana also noted that incivility nursed by the population also contributes to the dirty state of the capital city. The Yaoundé city mayor found at the careless dumping of waste everywhere within the city, which piled up and extend to the roads. He regrets the fact that the population often accuse mayors for getting to know they are the ones producing and dumping the waste carelessly. It was also an opportunity for him to implore the population to be more responsible while the city council brainstorms on putting in place effective mechanisms to keep the city always clean. And now, in the far north region of the country, notably in Mabong, a locality in the Meri subdivision, Jamare division, the population are fuming at a rising insecurity. They complained that heavily armed individuals invaded their locality, killing and also carrying out barbaric attacks and looting their property. During installation of the new paramount chief, the divisional officer of Meri subdivision urged him to collaborate with his population to out this insecurity and also work in collaboration with defense and security forces. Details in this report by Mala Glory. In the far north region of the country, Diamare Division, and especially in Mabong, cattle theft is the order of the day, coupled with frequent attacks and breaking into homes by men of the underworld. This criminal act has increased insecurity in the locality, a situation which has left the people helpless. And according to local authorities, the inhabitants and traditional rulers are to be blamed. It's totally unacceptable that thieves should break into a building, whereas we have an office just close to the area. They get in, carry out their operation successfully and leave without us being informed. During the recent installation ceremony of the paramount chief of the four localities in Mabong clan, the divisional officer of Meri, Yaya Ali, urged the locals to cooperate with security forces as a major step to fight insecurity. We recommend the new chief to report every suspected case to the authorities as soon as possible. Saisir les autorités traditionnelles, administratives et les forces de maintien de l'ordre. The new paramount chief on his part says he is up to the task. Il faut que la population soit... The population should be dynamic so we can work together, because one cannot succeed by working alone. Parce que seul, tu ne peux rien faire. His Royal Majesty Sandan Jida reminds the different quarter heads the importance of them to work together in order to curb the rising insecurity in their locality so as to give way to local development.
Though China and some European countries record high rates of climate change, the African continent is said to be more vulnerable. The devastating impacts stem from desertification, droughts, high temperatures, heavy rainfall, and many others. Environments and climate change experts say there is need to switch to a greenhouse emission in order to limit climate change. We have details in this report compiled by Fomi Amton Sander. Even though Africa accounts for just 3.8% share of global greenhouse gas emission, opposed to 23% for China, 19% for the United States of America, and 13% for the European Union, the African continent is particularly vulnerable to climate change. The impact includes higher temperatures, drought, changing rainfall patterns, loss of species, not enough food, poverty and displacement, among others. To limit the emission of greenhouse gas and consequently climate change, environment and climate experts say there is an absolute need to migrate to greenhouse economy. Le fait de penser des modèles, to think of economic and social models which contains answers to the problems of climate change. Comme le solaire. Comme le soleil, la biomasse. He says the green economy transition concept can be adopted in every sector, for example, in the energy sector. He proposes the increased use of renewable energy sources and means like biogas, solar energy, and more. It was within this context that the Global Learning University brought together workers and stakeholders in Douala. Effectivement, la rencontre de ce jour est... Today's training exercise was a culmination of over 6 weeks intensive online training that gave participants knowledge and skills on how to develop green economic models in their different workplaces. It is expected that the ideas shared and knowledge gathered will be used in different spheres to reinforce the green energy transition concept. In news out of the country, U.S. President Joe Biden, speaking from the White House, announced a ceasefire in the Gaza Strip. He also urged Hamas to accept the proposal. And elsewhere in South Africa, opposition parties are hailing the defeat of the African National Congress as it loses its majority for the first time. Details of this with Ese Lusiliangu. U.S. President Joe Biden has announced this Friday Israel's proposal to end the conflict in Gaza Strip. The three-part plan would begin with a six-week. And the first phase will include a ceasefire in which Israel Defense Forces would withdraw from the populated areas of Gaza. Speaking from the White House, Joe Biden says, Hamas says it wants a ceasefire. This deal is an opportunity to prove whether they really mean it. Hamas needs to take the deal. The plan also includes the release of women and children held hostage. In addition, Israel would receive humanitarian assistance with 600 trucks carrying aid into Gaza. It's time for this war to end. President Joe Biden says as long as negotiations continue, the ceasefire will hold even if the talks extend to more than the initial 6 weeks. And in South Africa, the African National Congress Party has lost its parliamentary majority election result this Saturday. This puts the country on a new political path for the first time since the end of the apartheid system of white minority rule 30 years ago. The process of the results compilation entails ensuring accuracy and validation of those results. With more than 99% of votes counted so far,
The ANC received about 40% in Wednesday election. Meantime, opposition parties have hailed the result as a momentous breakthrough for a country struggling with deep poverty and inequality. That's the end of this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. To have a splendid evening and a happy Sunday in advance. Christine Babana, bonsoir à vous. Do have a nice evening, Innocent Azé. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette tranche d'information. Prenez soin de vous et pour plus de reportages sur l'actualité, restez sur Equinox Television, la chaîne du peuple.